Et yo les amis, c'est Waldix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu One Piece Fighting Path. Et oui, encore une vidéo sur ce jeu, parce que je vous ai promis sur la dernière vidéo du coup que j'ai fait sur One Piece, le même jeu, que je vous ferai une suite. Et que aussi j'avais dit que j'essaierai de trouver les codes pour rentrer dans le jeu. Et puis cette fois-ci là, ça sera... On va faire le vrai jeu, du coup le mode histoire, l'aventure de Luffy. Donc vraiment ça va être insane, hein, ça va être insane déjà de ce qu'on a vu de la vidéo d'avant, c'était super beau les graphismes, donc on va imaginer le mode histoire, ça va être encore plus ouf, donc sans perdre de temps, on va commencer, c'est parti les amis, et c'est parti. Voilà ça commence les gars. Ça commence, ça commence. Alors... On voit Luffy, son affiche. Alors, qu'est-ce qui nous prépare le jeu? Ok, Zoro, Nami, Robin, Chopper. Bref, un peu tous les persos là, en ce moment. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, faut écrire notre nom. Oh, ça c'est stylé ça. Ça, c'est stylé. Alors, ben, on va s'appeler Waldix, hein, les gars. Comme la chaîne, comme le nom de la chaîne. Donc du coup, avec les petits trucs. Enfin, je sais pas si on peut mettre les petits trucs. Non, je vais juste mettre Waldix comme ça. Et puis, c'est parti. Ok, et les gars, ça commence. Oh là 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 là. Ah ouais. Tes petites cinématiques, ça explique comment ça a commencé l'histoire. C'est stylé. Oh là là, les graphismes. Oh là là, les graphismes, toujours incroyables. Ah ouais, la ville. La ville. Et c'est propre, hein, les graphismes. Mais comme je vous ai dit, pour un jeu mobile, c'est un truc de malade, hein, ce qu'ils ont fait. Ça, c'est sûr. Ok, ça nous montre la ville. Petit chargement encore. J'espère qu'il sera pas long. Ça, j'ai pas besoin de faire une coupure. Ok, ça charge. Déjà le début c'était stylé, genre le... Ah ben ça commence, tenez. Regardez. Ok. Oh c'est stylé, on est dans un bar. On est avec Luffy. Ok bon, je comprends pas trop l'écriture japonaise. Mais c'est pas grave, on passe un peu ça. Ça c'est pas grave. Et voilà, enfin on passe au gameplay. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là? Ok, ça je pense c'est la quête. Ok, ils nous disent d'appuyer. Oh, et c'est parti, les gars. C'est parti, c'est parti. Enfin, du gameplay. Ah ouais, là, on sort du truc et on voit la ville. Ah, c'est plutôt... Là, c'est badass, là. Là, ça commence à être intéressant. Alors, on parle à un vieux pépé. voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, on sait pas. Je pense... Ah oui, il faut faire la quête. Ah ouais, on peut marcher comme ça. Oh, c'est stylé les contrôles. Ah, j'aime bien les contrôles. J'aime bien, j'aime bien. Ok, et du coup, est-ce qu'on a fini la quête? Ouais, je pense. Je sais pas où se diriger, mais je pense que c'est vers les petites encres bleues dans la map. Du coup, la map, est-ce qu'on peut la voir? Ah oui, on peut voir la map. Avec tous les trucs. Ok, du coup, nous, on se situe où? Je pense qu'on se situe là. Ah oui, d'accord, et ça nous... Ah oui, direct ça nous envoie au cas la mission. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh là là, c'est stylé. Que c'est stylé. Oh mais les graphismes. Ah ouais, là c'est... Ah ouais, ça lance une cinématique comme ça. Purée, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Non, les graphismes sont fluides, c'est... C'est stylé. C'est très stylé. Ok, Luffy part dans le bateau. Oh là 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 là. C'est stylé. Oh. Oh. Oh, ça c'est... Oh, purée. Ah ouais. Pa, 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 pa. Là, c'est... Oh là là, le coup. Bam. Oh là 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 là. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était très beau. Le coup de Luffy, là. Oh, le charisme qu'il a. Mais le charisme qu'il a, Luffy.
Avec son gum-gum pistol. Ouais, il a défoncé le monstre là. Non, niveau graphisme, rien à dire. Pour un jeu mobile, hein. Vraiment. Bah, c'est les Japonais, hein. Ils sont incroyables quand ils font des jeux. Ils s'arrêtent plus jamais, eux. Ok, alors du coup, Luffy, il a battu le monstre. Ok, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Oh, ça nous lance un truc. Ah ouais, oh, c'est stylé. On peut aussi naviguer. Ah, ça, par contre, ça. Ça, c'est bien. Il y a des bateaux autour de nous. Je sais pas si c'est des gens, ça. Ou si c'est des PNJ, genre des bots. Je sais pas. On va revoir la carte. Ok, la carte. Je sais pas, pour le moment, ça nous met pas dans un truc, là. Ok, comment on fait pour revenir? Ah non, là, j'allais quitter le jeu. Je suis trop bête. Ah oui, faut appuyer là. Ok, c'est bon. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, faut appuyer ici pour se rendre directement à la mission. Ok, petite cinématique encore. Oh là là. Cinématique. Ok, pas trop une cinématique, mais c'était une petite cinématique. Ok, qu'est-ce qui va se passer là? Peut-être un combat. On sait pas. On a vu, on s'est fait aspirer par un trou. Un genre de trou dans l'eau. Oh, cinématique. Ok. Ah oui, là, c'est vraiment le tout début de One Piece, là. Là, ça raconte Luffy, il est dans le tonneau. Ok. Ah oui, là, je pense, on va enfin se fight, les amis. On attend que ça, de toute façon. Ok, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, quel style. Ok, c'est parti, les amis. Ah ouais, là, cette fois-ci, c'est Luffy. Là, c'est pas Ace. Oh là là. Oh là là. Il a un charisme. Il a un charisme de malade, Luffy. Ah ouais, en plus, il les lave carrément. Oh, ça. Ah ouais, niveau fight, là, ça. Ça balance. Hein. Oh là 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 là, les enchaînements de combos. Ok, bam. On a buté le dernier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Oh, petite animation. Oh là là, l'animation de fin. Oh, cette animation de fin de combat, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Ok. Non, mais les gars, le jeu, il est incroyable, les gars. Ah bah oui, et dis-moi en commentaire de quoi vous en pensez, de ce jeu. Perso, moi, une note sur 10, vraiment 10 sur 10. Parce que pour un jeu mobile, waouh, c'est incroyable pour un jeu mobile. Ah oui, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, juste pour vous dire ça. Et puis, continuons l'aventure encore. Ok. Ah, on a déverrouillé quelque chose. Ah, rang 2. Ok, ça je pense c'est les rangs. Hein. Ok, on est passé du niveau supérieur. Ok, ah ouais, ça se passe comme ça. Stylé, stylé, stylé. Ok, on doit prendre des cahiers. Ok, ça c'est pour monter les attaques et tout. Ok, compris. Et tac. Ok, ça par contre, je sais pas où le mettre, je vais le mettre là. Voilà. Du coup, ok. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ah oui, faut aller encore dans la quête. Ah oui, ok, d'accord, faut lancer un combat. Ok. Oh purée, ça va être un combat, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, faut choisir Luffy. Et c'est parti. Encore du combat. Bah, c'est ce qu'on aime, les gars. Le gameplay, le fight. Et en même temps, bah, on suit l'histoire de One Piece. Donc c'est ça qui est pas mal. Ok. Ok, là il parle avec Toby. Alors Toby c'est le petit là, c'est lui. Ok, il y a Luffy, qu'est-ce qu'il dit? Ok, je pense là ça va être encore du fight. Ah oui, oula, ah oui, carrément. Bon, elle je la connais, elle s'appelle Alvida ou je sais plus quoi. Et c'est un boss. Oh purée, on va battre un boss, les gars. Ok, comment ça va se passer?
Allez, c'est parti. Ok, bon là, on bat des personnes normales. Mais sinon, waouh, c'est incroyable le système de combat 3D. C'est vraiment pas mal. Ok, attaque spéciale. Ah non, ah si, c'est stylé. Ah, on s'est transformé en Gear 2, je pense, ou Gear 1. Oh, c'est stylé ça. On a activé le Gear. Ah ouais, ça fait l'effet et tout. Oh, c'est stylé. Ah non, là, ils ont complètement géré là. Là, niveau gameplay, incroyable. Ok, on passe à lui. À lui aussi, c'est un boss. Peut-être un garde du corps de Alvida. Ah oui, et dis-moi en commentaire si je me trompe des noms des boss. Parce que quand même, on sait jamais. Rectifiez-moi par rapport au nom. Ok, bam. Gum Gum Rafale. Allez, on va le finir, les gars. Et bam. Ça, c'était un beau coup, ça. Ça, c'était un beau coup pour la fin. Ah non, on n'est pas encore. Ok, on a déjà fini le combat. On n'a même pas passé Alvida. Ok, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il y aura une suite encore là. Ok, petit chargement. Avec Usopp. Il est très drôle ce personnage, Usopp. Et c'est parti. Ok. On revient dans la map. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer encore sur le défi. Ok, ah oui. Ah, encore un truc débloqué. Ah non, rang 3. Oh, c'est bien, on avance beaucoup dans cette vidéo. On avance beaucoup, beaucoup. Ok. Ah ouais, oh ça c'est stylé, c'est comme Dokkan Battle. C'est les arbres de compétences. On peut améliorer notre personnage. Oh c'est... Ah j'aime bien le système. Ok, ah là cette fois-ci on va battre Alvida. Ok là les gars, ça va être incroyable. C'est parti. On est prêts les gars. Ok là c'est parti les gars. Là c'est parti. Là on va battre du boss là. Ok, ça commence. Ok, on passe. Allez, direct le gameplay, les gars. On perd pas de temps. Okay, skip, skip. Ok, c'est parti, les gars. Le fight commence. Ok, du coup, on se bat contre Alvida. Ah non, d'abord encore contre les petits nuls. Les petits nuls. Ok, Gum Gum Rafale. Oh là là, mais le jeu. Mais le jeu, il est incroyable. Et dites-moi en commentaire votre note, du coup, de quoi vous en pensez quoi de ce jeu. Ok, je pense que j'ai déjà fini le gars. Ah non, faut que j'avance, je pense. Ah oui, faut que j'avance. Ouh, il y a encore des gens. Ok, bam, 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 bam. Ouais, 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 ils sont en train de me défoncer. Ok, bam. Oh lolo, lolo, lolo. Lo. Ok, lui, on l'attrape et bam! Ok. Oh lolo lolo lolo. Mais on enchaîne. Les combos sont incroyables. Ok. Ah, enfin. Enfin, enfin, enfin. Allez, c'est parti. Les gars, Alvida. Enfin, on s'en charge d'elle. Ok, Gum Gum Rafale. On l'attrape comme ça. Enchaînement. Ok, ah oui. Et en voyant sa barre de PV en haut, du coup, elle a deux barres de PV. Une barre... Ah non, elle a plusieurs barres de PV, ouais. Enfin, elle a une barre de bouclier. Et c'est vrai PV après. Ok, waouh, elle est dure, hein. Elle est compliquée. Ok, petit enchaînement. Ouh, elle est en train de me défoncer, les gars. Elle est littéralement en train de me défoncer. Ok, Gum Gum. Oh, cette fin, les gars. Oh, cette fin. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. L'enchaînement que j'ai mis à la fin. Ok, 3 étoiles en plus. C'est pas mal. Ok, on gagne un coffre. Avec des petits items. Alors, on a vu qu'on pouvait monter les persos. Ça, c'est bien. Ça va être peut-être comme Dokkan. Peut-être qu'il y aura des portails où on va invoquer. On va avoir des persos. Ça serait bien, ça.
qu'il y a des portails d'invocation où on invoque. Enfin, j'ai vu des vidéos sur le jeu. J'ai vu qu'ils ont invoqué sur le jeu pour avoir des persos. Donc, si ouais, il y a le système d'invocation, ça serait bien. Comme ça, je vous ferai des vidéos invocation des personnages. Ça serait quand même bien. Ok, petite animation encore. Oh là 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 là. Zoro. C'est Zoro. Ok, on passe rang 4. Ok, ils nous disent de passer directement au défi. Ok, prochain défi. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est Toby. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ok, ah, je viens de le débloquer. Bah après, c'est un perso rancé, quoi. C'est pas. Pas trop ouf, quoi. Oh, what? Il y a le monstre. Ah, c'est le monstre qu'on a. C'est le monstre du début qu'on a punché, ça. Ça, c'est le monstre du début qu'on a punché. Ok. Oula, c'est loin. Hein. C'est très très loin, ça. Ah oui, prochaine ville. Qu'est-ce que c'est cette ville? Direct un changement, les gars. Ok, où on va? Ah oui, là, je pense que c'est le moment où on va sauver Zoro. C'est incroyable ce moment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, ils ont reçu un signal où il y avait. Un gars, ouais voilà, il est accroché. Moi je connais l'histoire. Je sais qu'ils vont le sauver, Zoro. Oula, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oula, c'est qui eux? Deux gardes de la marine et un gars. What? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là, oh, ça se fait pas. Oh, ce qu'il a fait à la fille. Ah oui, lui, ça se voit, c'est des gros voyous. Ah, vous allez voir quand Luffy va débarquer. Vous allez voir. Parce que je sais ce qui va se passer après et c'est juste incroyable. Donc, les gars. Ok, chargement. Ok, voilà, c'est là. Ben les gars, je sais, j'arrête ici au pire moment. Mais les gars, on va se laisser sur cette vidéo pour garder un peu plus de suspense. Voilà. Et puis les gars, eh ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Aussi, dis-moi en commentaire si vous voulez une suite. Comme ça, pour l'arc de Zoro. Pour une suite de l'histoire de Zoro. Et puis, comment ça va se passer et tout. Et puis, les amis, dites-moi en commentaire toujours si vous avez aimé le jeu, vous en pensez quoi, la note, et si vous voulez que je refasse une vidéo sur ce jeu et la suite du mode histoire. Donc, les amis, on va se laisser là. Ciao, les amis, à une prochaine vidéo.